Salut Megan, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Ton été, est-ce que c'était bien passé? Oh, c'était très super, merci. J'ai visité à Lille avec mon ami Paul et aussi mon ami a me dit que ma langue a amélioré à cause de notre vacances. Aussi, je suis allée en Afrique avec ma famille. J'avais voulu visiter les États-Unis, mais actuellement, c'est un peu cher pour moi. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as fait en Afrique et à Lille? J'ai beaucoup de choses. Par exemple, j'ai visité le musée et aussi j'ai mangé dans le restaurant culturel, par exemple le Taverne Flamande. Mais aussi en Afrique, j'ai vu beaucoup d'animaux, par exemple les éléphants, le zèbre et plus. Aussi, j'ai enseigné la langue anglaise à les enfants défavorisés. Je pense qu'il était très gratifiant. D'accord, d'accord. Oui. Donc, en tout, ton expérience, c'était bien? Certes, mes vacances étaient très drôles et très divertissantes. Mais aussi, je pense que j'ai appris beaucoup de choses intéressantes, par exemple sur la culture de le pays tiers-monde et aussi pour la culture française. Oui, c'est intéressant. D'accord. Oui, mais et toi, comment t'en étais? Oui, c'était génial. Je suis allé en Hongrie avec ma famille, donc mon père et mes trois sœurs. Et on a resté en Budapest pendant 3 semaines. Oui, oui c'était très beau, mais notre hôtel, c'était un peu comme ci, comme ça. Mais c'était dans un quartier très bel. Très beau de la ville, donc en tout, c'était ça va. Et il y avait aussi beaucoup de soleil, donc il a fait très chaud. Oui, génial. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, on a fait beaucoup de choses. Je connais une amie qui habite là-bas, donc il a un peu à nous montrer la ville et tout ça. En particulier, il nous montrait des restaurants avec des spécialités locales et on a mangé trop de choses. On a mangé vraiment tout que Budapest peut offrir et oui, il a vraiment aime de manger, mais c'était très bien. Et on a aussi fait vraiment toutes les choses touristiques qu'il y a. On a visité des musées, des thermes aussi. Et on a aussi fait un petit voyage avec un bateau sur la rivière et tout ça. Enfin, la rivière, c'était très belle aussi. C'était chaque matin, nous mangeions dans un petit café à côté de la marina. Et avec une très belle vue de la rivière et toute la ville, vraiment. Ah, j'ai envie. Mais aussi, comment ton expérience était? Oui, c'était génial. On a vraiment, oui, comme je dis, il y avait du soleil, on a mangé des choses très bonnes. Et oui, en tout cas, avec mon famille, c'était très bien. Ah, oui. Et alors, donc, l'été prochain, tu veux déjà savoir qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, ça dépend. J'espère que je puisse visiter l'Italie, les États-Unis, mais peut-être l'île encore. Mais aussi, je voudrais utiliser ma langue française et ma langue italienne pour enseigner les enfants encore. Mais aussi, il y a trop des endroits que je voudrais visiter, alors ça dépend. Et toi? Je vraiment voudrais aller en Australie. J'ai toujours rêvé de visiter Sydney et tout ça, mais malheureusement, j'espère que j'ai pas vraiment l'argent pour ça. Donc, je pense que je dois trouver du travail. C'était bien de te voir, mais j'ai une réunion, donc je dois partir. Ah oui? Oui, à bientôt. Ah, merci, au revoir. Au revoir.